Hello tout le monde et bienvenue sur channel Dorpodia. Dans moment ça là, nous nombreux à féliciter artistes et encourager au plus au travail davantage. Mais chapeau artistique ça empêche des fois nous un aspect humain qui en dans chaque grand artiste. Mais je ne connais pas chaque artiste gagne en vie. Donc je dis à vous parler nous de un artiste qui fait parler de lui en pile dans les chaînes Maïlala qui c'est Darlene Desca. Donc moi quoi nous t'a posé tête nous en pile question sur lui tant pour qui genre de vie l'a mené côté le sorti et comme l'a fait etc. Donc dans vidéo ça m'vinn parler nous de lui en général. Donc c'est pour ça que m'a invité à rester regarder vidéo jusqu'à la fin pour qu'a connait toute bagaille de Darlene Desca. Donc si c'est pour première fois que vous passez sur channel là, pas hésiter à abonner pour pas rater vidéo qui va venir et puis partager vidéo à zan pour qu'il y ait plus de monde et puis m'a invité à regarder vidéo jusqu'à la fin pour qu'a connait toute bagaille. Et sur ce, on a la vidéo. Darlene Desca, faite le 23 janvier 1983 à Port-au-Prince. Dans plus jeune âge, l'ité a commencé à manifester un intérêt particulier pour la musique. L'ité qu'on a écouté musique populaire qui dans le monde là et puis musique qui populaire en Haïti surtout. Mais l'ité a un goût particulier pour jazz. C'est à partir de 2006 que Darlene Desca a entamé carrière artistique pendant qu'elle était encore étudiante à l'université. Puis elle était tout décidé de prendre quelques techniques vocales. En 2010, suite à séisme, Darlene Desca t'a proposé un morceau qui était titré Par la Guy, qui, dans ce moment, a fait un succès phénoménal. Et puis elle était tout gagné en reconnaissance internationale. C'est en 2013 que Darlene Desca a le premier album li qui était titré à plein temps. Et puis en 2015, il était tout gagné en plus de découverte RFI. Li nan yon gestionnaire de formation et il était même travaillé pour Nations Unies. Pour le moment là, Darlene Desca a géré propre boîte li qui est Marabout Production. Puis il crée un spectacle avec quelques artistes qui sont mis lui. Évoluer dans une famille monoparentale pas jamais facile. Mais Darlene Desca lui-même t'a grandi avec seule maman. Puis il était venu récit contre papa à l'âge de 10 ans. Dans la société qui nous vive là, depuis ou pote non maman, c'est que ou gen caractère ou bien ou semble avec. Nous avons l'impression que pote non maman nous, c'est un coup un fardeau. Mais Darlene Desca lui-même fier de nous ça. Adolescent ça qui est considéré comme un âge fragile, si tout mesdames, il est important pour ne pas faire avec parents ou bon côté. Mais Darlene Desca lui-même, il était passé étape ça pour col. Il grandit à Bapechose qui est situé à Port-au-Prince dans la rue Saint-Nicolas. Nous sommes que Katisa a été populaire grâce à groupe Barricade Koula, pas vrai? Donc, BBC a été ouais Darlene Desca qui t'a fait premier parler et au témoin de l'évolution. Darlene Desca a gagné un petit garçon et puis il remet affiché de temps en temps sur les réseaux sociaux. Après 7 ans de vie commune, il est divorcé avec Maril en 2019. Là. L'elle passe sous scène, l'autre passe-temps s'est fait manger. Puis il tout considéré ça comme deuxième passe-temps. Parmi toutes les délices qui gagnent, il remet manger par tes cordes. Dans le domaine artistique, là, il est courant pour artistes stressés. Mais dans l'inescalier même, il est stressé, il prie. Et puis il dit que ça aide en pile.
Sur Instagram dans moment là, il y a plus que 629 000 monde qui a suivi. Et puis sur YouTube, il y a 71 800 abonnés. Et puis sur mon YouTube là, il a fait de 459 à 7 400 dollars par mois. Et puis par an, il vient de 5500 à 88 200 dollars par an. Et puis channel YouTube là, il a une vue globale de 7 152 622 vues globales selon Social Blade. Donc, pas oublier écrire dans l'espace commentaire qui musique d'Aline Desca qui ou pire aimé. Et puis, pas oublier écrire tout est-ce que ou aimé ou pas. M'appli toute opinion. Donc, un grand merci parce que vous êtes dans la fin vidéo. Pas oublier abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça. Partagez vidéo à Azamon pour que vous plus de monde. Et puis, ciao, n'a pas pour notre vidéo.